juste incroyable. J'arrive pas à réaliser, mais c'est vrai que voilà, ma famille, ils ont toujours été là pour moi et je pense que c'est le plus beau cadeau que je pouvais leur donner aujourd'hui. C'était ça, quoi. Voilà, je me sentais pas non plus incroyable à 40 km de l'arrivée, mais je l'écoutais. Je me suis dit, ok, ouais, peut-être qu'il faut pas attendre que ça revienne. Et donc voilà, j'ai juste saisi ma chance et j'y croyais pas parce que voilà, je voulais pas y croire tout de suite, ça servait à rien. Et ouais, je me suis dit maintenant je mets tout et c'est peut-être l'une des seules chances que j'aurais de devenir champion du monde, donc je voulais pas la louper. Bah là, je me pensais pas capable de faire une course de ce niveau-là. Je fais pas énormément d'échappées en tant que coureur, c'est vrai que j'attends souvent le final. Mais là, aujourd'hui, je voulais vraiment pas avoir de regrets. Je préférais tout donner et ne pas être champion du monde que d'avoir des regrets à la fin, de me dire « Ah ouais, j'avais des bonnes jambes, mais j'ai trop attendu ou j'ai fait ci ou cela. » Donc ouais, là, j'ai aucun regret. Hein.